Charlie, ça va? Salut toi. Ouais. Je voudrais savoir, là on est à 3-4 semaines de notre départ pour Dieppe en vélo. Comment tu te sens? Je me sens chaud. Comment vous vous sentez? En vrai, maintenant ça va. Moi ça Là va, ça va. je suis contente en vrai. Deux jours D'accord. avant, je te dis pas, genre, t'es sûr du D'accord. Donc il y a un peu d'appréhension. Oui, totalement. Mais quand même De de l'envie. l'envie. Ouais. Ok, donc une envie de se dire je veux le faire, mais pas sans appréhension. Moi, je suis enthousiaste à l'idée de partir et tout comme ça en vélo. Ouais. Quand on t'a présenté le projet, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit pourquoi pas. Hein. Pourquoi En vrai, pas? c'est une bonne expérience et c'est pas une chose qu'on va faire tous les jours. Enfin, Ouais. je vais pas me dire quoi, wow, viens, on va là, alors que là en plus, on est avec des gens et ça va être que de la bonne ambiance quoi. Qu'est-ce que tu penses que cette aventure peut t'apporter? Bah, ça peut m'apporter la confiance en moi. Ouais. Ok. Et de même de découvrir de nouveaux endroits, c'est intéressant. Surtout en vélo, genre, c'est-à-dire, t'as vraiment le temps Ouais, de de faire regarder aux alentours, Ouais. comparé dans un train où tu. Où ça défile. Ok. Un plaisir. Ouais. Ouais. Ok, bon, c'est déjà une bonne chose. Bref. Un plaisir. Ok, ça marche. 25 octobre, réunion de préparation, J-10 avant le départ. Non. Ça va comment? On est là. Ça, tu pas d'angoisse particulière? Non. Donc on disait le petit-déj. Des envies particulières de petit-déj. Un croissant. Omelette au bacon. Vous en êtes toutes vos valises? Quasi tout prêt, mon quelques sweats et des t-shirts. Ouais. Est-ce qu'il y a des manques? Trop bien. Ce sont des vélos qui viennent d'Asie, mais ce sont entre guillemets, ce sont pas des vélos bas de gamme. Hein, c'est la marque Giant. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Giant pour les vélos. Ah si, oui. Oh, c'est Oui, pas mal, Giant. c'est le numéro 1 mondial. Voilà. Du vélo. Et les moteurs que vous avez dessus, c'est des moteurs Yamaha. C'est le but aussi que le côté physique soit pas un frein pour Oui, participer. c'est ça, exactement. Voilà. Ceux qui n'ont pas l'habitude spécialement, Voilà. c'est pas grave. Ça donne quoi après l'essai vélo? Ça roule bien? Ouais, ça roule bien. Pas besoin de forcer? Pas trop. Vous avez mis quoi, l'assistance à fond? Ouais. Ouais. Faudra Charlie, ça te dit réactiver. quoi, le vélo électrique? En montée, je pense même pas ça. Ouais, ça va tout seul. Est-ce que vous êtes déjà parti en autonomie? Non. Tout seul? Non. Tout seul, non, pas vraiment tout seul. Non. Un peu nul tout seul. Est-ce que vous êtes capable de me citer aujourd'hui quelque chose, un vécu qui vous rendrait particulièrement fier ou une expérience positive que vous avez vécue qui vous rend particulièrement fier? C'est beau dehors. Hein. Pas manger, c'est pas grave. Ça peut être n'importe quoi, enfin. Ouais. Un truc fier, Un un truc dont vécu. vous êtes particulièrement fier de vous. Bon. D'avoir une non-cote. Bah, d'avoir le bac, ouais, en vrai. Ouais. Toujours le code, c'est chiant, vraiment trop chiant. Rien. Alors. Vivre. Encore. Bon, les gars, vous êtes chaud? Ouais. Il commence en jean, quand tu veux. Ça y est. Il est chaud Comment en ça jean. va? Alors, 1 heure du Non, ça départ. Les filles arrivent. Donc déjà, on va leur montrer que la voiture n'est pas un indispensable et qu'on peut se déplacer et faire de belles choses sans voiture. Après, quand on leur demande un petit peu savoir jusqu'où ils ont l'habitude de se déplacer, Enzo, 18 ans, Romain, tu vas jusqu'où toi? Bah, moi je reste dans la ville, c'est tout. Dans la ville.
Ouais, ok. Voilà, Enzo, ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller forcément très très loin. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres choses. Et je crois que si je pose la question également de savoir quand est-ce qu'ils sont partis en vacances, la dernière fois, Charlie, la dernière fois qu'ils sont partis en vacances, Charlie, dis justement, Provin. Bah moi, ça date de 2016. Voilà. Donc là, à l'occasion, on s'est dit, allez, on va voir la mer. Souvent, quand on parle de vacances, on dit on va voir la mer. Donc nous, on va voir la mer, on va aller à Dieppe. Voilà, à Dieppe. Ok. Bon courage et bonne route. Merci. Vous montrez aussi que la mission locale, au-delà de parcours individuels, de formation, etc., ça s'inscrit aussi dans une démarche collective. Et c'est finalement l'incarnation à travers ce groupe de 5 jeunes avec une belle mixité aussi. Je me déplace. J'espère que t'as pris une... J'espère que t'as pris une big assurance là. Faut que tu touches le million si je tombe. T'es pas assuré. Ah, c'est dommage. Je m'appelle pas Beyoncé. Faut qu'on fasse un bonnet, pas. Si, comme ça là. Ouais, on part, ouais. Ça part. On passe tout ça en part. Lui, Enzo. Tu reviens qu'à vous tourner là. En même temps, il y a qu'à prendre l'air là-bas, ça va être dingue. Il part. Allez, quand vous voulez, c'est vous pour moi. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, quand il n'y a plus d'assistance 3 km avant d'arriver, on finit à pied, parce qu'un vélo électrique en montée, sans assistance, c'est lourd. Hein Enzo ? Ouais, c'est lourd. Ouais. C'est lourd, hein ? Là on arrive, on a le panneau, le camping, ça fait 1,5 km qu'on marche à côté du vélo, Enzo, c'est ça ? Ouais. Et on a commencé par une côte et on finit par une côte, cette première étape. Bon Mélina, est-ce qu'on n'est pas arrivé juste au bon moment ? Hein ? Ah si si. Fait du bien la douche hein ? Ah oui, franchement là oui. Alors voilà, il se met à pleuvoir. Fort. Beaucoup, ouais. Et on est arrivé depuis une heure, donc le timing est bon. Après une journée d'effort, voilà. Et ouais, le réconfort. Oh, on passe sur Mario Kart. Voilà, premier repas. Très équilibré. On voit bien en retard. Voilà, très équilibré. Chacun sa pizza. Il y a quelqu'un? Putain, les garçons déjà debout en action. Ouais. Et tout. On est toi, on a le chauffage. Hey, il faisait trop froid. C'est oh là là. Bien dormi ou quoi? Ouais, franchement. Bon, bien dormi ou pas? Ouais, ça va. Mais par contre, il faisait super froid, c'était horrible. Vous avez pas monté le radiateur? Non, parce qu'il faisait trop chaud. Mais après, il faisait trop chaud. Mais en fait, faut mettre des couettes, faut pas mettre des plaids pour dormir. Les vélos sont prêts. Ça tente plus que leur pilote. Pourquoi ? Explique-nous. Peut-être que tu veux nous dire que tu as kiffé le chemin de ouais, bois de fou.
Allez, dans les flaques. Il y a des rochers là, je sais pas ce que des pavés, des rochers. Des rochers. On est pas bien là, en pleine forêt là. Ah là là, c'est magnifique. Pas une voiture pour nous polluer. Attends, parce qu'il faut. Faites gaffe, faut s'arrêter. Un arbre couché sur notre voie verte. Et donc dans la forêt, ça vaut quoi? Donc voilà, on prend dans la broussaille. Non, je vais pas dire le sec, je vais pas prendre. Et braille le sec et on est toujours au sec. Après 5 km de galère, dans le vent, la pluie, on retrouve une voie verte. On n'est pas mieux là? Ça permet de pouvoir sur leur machine du coup les engrenages, ils les ont fabriqués. Ah oui. Ils ont fabriqué. Ils n'ont pas dessiné les engrenages. Il y a certaines pièces qu'ils ont dessinées eux-mêmes, mais pas tout. Ils ont travaillé sur l'électronique, donc c'est eux qui ont fabriqué la carte, ils ont soudé, ils ont fait les soudures, ils ont fait cette table là. Allez, en préparation pour partir de Beauvais. Ah bah alors ça les filles, de se coucher à 3h du mat, de se lever à 8h, la faut assumer maintenant. Comment ça va les gars? Ça va, 28 km de voie comme ça là, ça va le faire? Exactement, à la rigueur chacun son rythme, si vous voulez prendre le devant, c'est Gournay en Bray la pause. Il y en a qui veulent rouler, vous faites juste gaffe, c'est toujours tout droit. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'était indiqué même tout à l'heure. Enzo, ça va? Pas de séquelles de la chute? Pas de douleur? Non, on le tient notre moment galère. Il pleut. On est sur des chemins, enfin des routes très très peu. Mais il pleut. Voilà, la Normandie nous accueille à sa façon. En Normandie, beaucoup de vaches. Et des jeunes qui découvrent des vaches. Tu sais parler aux vaches, Mathis, ou pas? Pas trop, hein, t'as pas appris le langage. Voilà, dernière journée de vélo. Je crois que le réveil va être difficile. Donc voilà, dernière journée, dernière étape en direction de Neuchâtel en Bray ou les Bray, je ne sais plus, où nous allons déjeuner avec des jeunes de la mission locale et des conseillers. Alors l'idée du vélo électrique, c'était aussi ça, c'était aussi de se dire que ça pouvait être accessible à même des jeunes qui n'étaient pas spécialement sportifs. Ouais, sportifs. Ouais. Moi j'ai appris à manger de l'herbe. Ah, départ de Neuchâtel. Dernier 30 km, mais sous la pluie. Pas de pluie. Est-ce qu'on a bien mangé à la mission locale? Ouais, ça va, c'était bon. C'était bon, hein? Bah oui. Elle en a marre, elle grogne. Il nous reste 14 km avant Dieppe. Il repleut. Mais il reste 1,7 km. Thank you.
Ton meilleur moment du séjour, ça serait quoi? Franchement, j'ai pas de meilleur moment parce que je me suis bien amusé, mais peut-être oui, le fait d'avoir vu enfin la mer. Ouais. Donc d'être arrivé à Dieppe, ça m'a soulagé parce que après c'était un peu dur le vélo. Ouais. Bah, la plage. Hein. Ouais, la plage de Dieppe. Ouais. Après, on a eu beaucoup de moments toute la semaine, mais le meilleur, je pense, c'est vraiment la plage parce que déjà. C'est qu'on a réussi. Ouais, c'est l'aboutissement. Ouais, on a réussi et c'est super beau et c'est apaisant de fou. Le meilleur moment, Laser Game. Laser Game, ouais. C'est amusant. T'as kiffé le Laser Game, ouais. D'accord. Quand on a vu l'Airbnb à Forges les Eaux aussi. Le Airbnb de Forges, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il était incroyable. Je dirais aujourd'hui. Ouais. En fait, entre hier et aujourd'hui, quand on est arrivé, c'était vraiment super compliqué. C'était... Il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était dur. Mais maintenant, aujourd'hui, on a vu le paysage, on a vu tout ça, c'était incroyable. Ouais. C'était génial. Si d'autres jeunes te posaient la question, ouais, c'est quoi ce projet, tu leur dirais quoi? Enfin, si c'était reproposé à d'autres jeunes et qu'on venait te voir en te demandant ton avis, tu dirais quoi à d'autres jeunes? Bah, de foncer. Ouais. De faire le voyage en vélo. Ouais. C'est très bien. Ouais. Honnêtement, oui. Parce que on n'arrive pas en fait à un endroit moche entre guillemets, ouais. Et on arrive dans une belle ville où il y a quand même beaucoup de choses à visiter, même s'il n'y avait pas trop de monde hier, mais bon. Moi je vous encouragerais, et en vrai faut vraiment le vouloir, parce que c'est pas juste « Oh, ça a l'air cool à faire », et ouais. Voilà, faut vraiment le vouloir. Au départ le projet peut faire peur, mais finalement en se donnant un peu de courage, on y arrive finalement. Ouais. Même si on n'est pas sportif, on y arrive quand même. Bah, je leur dirais franchement, faites-le parce que c'est incroyable. Même si c'est dur parfois mentalement, même physiquement, c'est pas grave, on met le temps qu'on veut, on met le temps qu'il faut. Ouais. Et puis, c'est... une fois que t'es arrivé, c'est tellement incroyable, tu dis ouais, je l'ai fait. C'est tellement beau, t'es tellement content que franchement, faut pas hésiter. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté à toi personnellement? Cette aventure. Je suis quand même capable, en fait. Genre, même si je pense ne pas réussir, en soi, je peux quand même réussir et atteindre mon but, quoi. La confiance en moi. Ouais. Parce que le vélo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. D'accord. Et je me suis plutôt bien débrouillé. Là, c'est plus quelque chose où je me dis, ouais, je l'ai fait. Ouais, tu me dis, c'est le défi de te dire, ouais j'ai été à Dieppe en vélo, quoi. Ouais. Ok. Du plaisir. Ouais, c'est déjà super. Ok. Du bonheur. Ok. Tu l'as. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir et où est-ce que t'as tiré ce bonheur-là? À travers quoi? Le voyage, de voyager avec des gens cool. Ouais. Je pense que ça m'a apporté que j'ai de la persévérance. Enfin, que j'ai du mental, malgré tout. Et que je peux vaincre mon anxiété. Et ouais, moi je t'ai pas vu angoissé, hein. Je t'ai vu souriante et ça a été super agréable. En tout cas, moi, je suis fier de toi, comme je suis fier de l'ensemble du groupe. Et pour moi aussi, c'était une très belle expérience. Donc, je vous remercie. Cinq jeunes Seine-et-Marnais partent ce matin pour rejoindre la mer à vélo, le projet un peu fou de la mission locale de Provins, qui va permettre à des jeunes de 18 à 19 ans de faire près de 300 km en moins de 5 jours en vélo électrique pour aller à Dieppe en Normandie. Renaud Labaune est un des accompagnateurs. On a pu faire des constats sur le fait que les jeunes au niveau de la mobilité pensent souvent au permis de conduire comme une solution qui est la solution principale. Donc l'idée de ce projet, on a intitulé la route de l'opportunité, c'est de leur montrer qu'on pouvait aussi faire des choses sans voiture, que le vélo, et notamment le vélo électrique, peut être une alternative au déplacement, à la mobilité. On envisage partir tous les matins entre 10h et 10h30. On espère arriver sur les villes étapes entre 14 et 15h, profiter de la ville, on prendra possession des lieux, puis après on espère profiter un petit peu de la ville. Le départ est prévu ce matin.